Bonjour le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur votre chaîne Recette Nature. Pour ceux qui viennent de s'abonner, merci à tous. Merci du fond du cœur. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et partager. Activez la cloche de notification. Merci, aujourd'hui je vous présente comment je réalise ma recette de smoothie pour grossir sainement et durablement. Prise de masse pour les gens qui n'aiment pas beaucoup manger. Il ne faut surtout pas manger ou boire n'importe quoi, n'importe quand pour avoir beaucoup de vitamines, de force et de l'énergie. Il ne faut pas oublier le petit déjeuner et le repas le plus important de la journée. Mangez aussi le soir pour grossir. Faites du sport et développez votre masse musculaire pour grossir naturellement. Vous devrez rééquilibrer votre alimentation et prendre de nouvelles habitudes. N'arrêtez pas le sport, l'activité physique réduit votre taux de sucre dans le sang, mais va aussi stimuler votre appétit. C'est ce que vous allez placer dans votre assiette qui sera déterminant. Le repas approche, mais vous n'avez pas faim. Sortez prendre l'air et vous dépensez pour vous ouvrir l'appétit. Un smoothie composé d'aliments gras comme de l'avocat, banane ou du lait de soja, du yaourt grec, perlis, miel ou du céréales de blé ou des noix, des dattes, raisins secs, noirs et des grains de sésame et des collations protéinées à la fois délicieuses et riches en calories. Passe l'étape suivante. Banane, yaourt, fromage perlé, yaourt brasé aux céréales et aux fruits secs. Ensuite, la gelée date, les raisins, les noix, j'ai les glaçons plus mes avocats congelés. Les graines de sésame, j'ai grillé vite fait une cuillère à soupe de lait demi d'eau, le lait de soja, le miel plus le cérilla. Et c'est tout. On va commencer la préparation. Ensuite, je vais venir ajouter le lait de soja. À la place, vous pouvez utiliser le lait de vache ou le lait demi-écrémé, c'est comme vous voulez. Je vais venir ajouter le yaourt perlé, le fromage. Et ensuite, je rajoute le yaourt brasé aux céréales et aux fruits secs. Plein de vitamines. Ça là, mes chéris, n'arrêtez pas de faire ça avant d'aller dormir. Après le dîner, le soir, vous buvez ça. Le matin, après le petit déjeuner. Ça, c'est pour les gens qui n'aiment pas beaucoup manger. On a du mal à manger. Je vais venir ajouter une cuillère à café et graines de sésame. Ensuite, je vais rajouter les graines de raisins secs noirs, les raisins secs noirs et les noix. On rajoute les noix.
venir mettre les dates. Une cuillère à soupe de laine et d'eau. Ensuite, on va venir ajouter notre céréla. On va mettre un avocat. Enfin, on va utiliser une cuillère à café de miel.